Qu'est-ce que c'est? Rebois! Je comptais prendre le rebois! J'allais faire rebois! Bonjour! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est Manon qui conduit, bien sûr. Hein. Oui, bah oui, bien évidemment. Hein, avec le, et c'est un sein gauche qui tient le photo. On en va de rouille! On en va de rouille. On est parti acheter ce qu'il fallait pour ce midi. Sans enfants. Sans enfants, on précise. Et rien que pour ça, du coup, on s'arrête à la boulangerie aussi. Attends, du monde, on va peut-être se tromper de route. On roule bien à 5 ans, le bébé. Roule bien! Non, en vrai, alors, on résume. Hier soir, elles se sont couchées. Aucun, franchement, par contre, pour le coup, ouais. Rien. Elles on n'a même pas eu besoin. Alors, on a fait quand même le je vous préviens, vous voyez. Mais par contre, rien eu besoin de faire d'autre. Voilà, on n'a pas, on les a pas recouchées 40 000 fois et tout, donc nickel. Bon, par contre, ce matin, c'était un peu compliqué. Alors, non, c'est pas que c'était compliqué au final. Non. Je pense que c'était ce que je disais à Vincent, c'est nous adultes qui nous sommes. Ah. On s'est pas adapté aux horaires de nos enfants en fait. Qui est adapté? Moi, je me suis endormie comme une bouse dans le canapé. Tout le monde était dans le salon et je me suis endormie comme une bouse dans le canapé. Je te jure, ça m'arrive jamais. Non, mais déjà, dites-vous que, premier souci, moi, à chaque fois que je les vois, j'ai un souci sur YouTube. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, vu qu'on était déjà nombreux, je pense aussi sur la Wi-Fi, ouais. Tout ça, il faisait vachement. Ils ont pas la fibre, donc c'est un peu plus long, vous voyez, pour exporter tout ça, les vlogs. Alors qu'ils ont une antenne à 3 minutes 30, et qu'en 3 minutes 30, c'est fait là-bas. Hein, parce qu'en fait, du coup, Renault. Non, mais. Bébé a fait tout ce qu'il fallait sur son vlog, sauf que bah, nous, on a galéré. Donc, on a essayé les partages de connexion, on a essayé un million de trucs. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, bah, Renault, il a dit, allez, pour 5 minutes, il dit, je te jure, à 3 minutes, on va à l'antenne, et c'est fait, quoi. Moi, le truc. Mal, je dis on va pas aller à une antenne, du coup on a envoyé les deux hommes. Vous voyez ce qu'on fait pour vous? Vous voyez ce qu'on fait pour vous quand même? On envoie les deux hommes. Du coup ils vont, bref, ça s'est résolu en 3 minutes 30, c'était fait, même pas, franchement. Ils sont arrivés, bébé elle a dit ça va, c'est fini, on rentre, ok. D'accord, ils ont été très rapides. Lucky Luke. Bref, et du coup on s'est couché très tard aussi par rapport à ça. Mais bon, après on n'était pas si fracasse que ça. Non, c'est mais pas on s'est voilà, ça, voilà. Sauf que bah du coup ce matin 6h30, Mavy qui arrive à pipi, qui rentre dans la chambre. Nous on pense direct à Raph, on se dit oh putain ça y est. Et ils veulent nous réveiller Raphaël, et Raph c'est une alarme. Lui quand tu pleures, il pleure, il a faim, c'est tout de suite maintenant. Et on a réussi à rendormir Mavy après. Sauf que Léonie a entendu que les petites étaient réveillées parce que Aria du coup et Mavy était réveillée, mais elle jouait calmement, non, elle faisait pas de bruit. Et là, bah, c'était le début de la fin. Là, ça y est, c'est parti. On était... Léonica, vous faites quoi? Ouais, ça y est, c'est mort. Donc, et pourtant, c'est la plus grande. Hein. Parce que quand je disais que t'es la plus grande, tu sais qu'il faut pas le faire. Après, elles ont envie de profiter. Bon, voilà, c'est pas grave. Même nous, au moins, à 8h, on était tous au taquet. Voilà, on était voilà, tous quoi. Comme ça. Et il manquait une personne ce matin. Bérangère. Mais où était-elle? Ah bah, qu'est-ce qu'elle nous fait? Oui, tu peux regarder par la fenêtre. Oui. Non, est... je regardais le rond-point. Excuse-moi, je regarde, je vais pas me prendre une voiture quand même. Hein. Je regarde en face, mais je regarde pas s'il y a les voitures qui arrivent. Elle était partie chercher les croissants, les pains chocs et ben tout. Ouais, trop mignonne. Ouais, mais trop mignonne. En plus, elle avait fait des gâteaux et tout hier. Donc, ça nous aurait très bien suffi. Mais trop mignonne. Merci encore. Ça sera très bien avec les fraises à midi. Oui. Et du coup, bah là, du coup, on en va de rue pour ce midi. On est parti chercher de la viande et tout parce que vous savez ce qu'elle va faire. Non, mais là, elle a fait un homme heureux. Hein. Elle va faire pirade, donc la viande et tout à midi. Et elle va faire des frites maison, mais pas les frites à l'air fryer là sur le coup. Les bonnes frites bien grasses. Signato ah. C'est un option. J'ai failli dire c'est taf. Mais non, je le dirai pas, c'est un option. Voilà. Et attendez, j'ai pas fait la casse-couille encore à celui qui me colle au cul et je fais à deux à l'heure. En voiture, je suis exécrable. Non, mais je le dis. Des fois, j'insulte. Mais moi, le problème, c'est que des fois, je fais pas attention avec les petits et tout. Des fois, vous voyez ça? Vous voyez ça? Enfin, bon. Voilà, du coup, à midi, frites bien grasses. Donc, Vincent, il est le plus heureux du monde. Il adore les friteuses comme ça, lui. Moi aussi. Ah, ouvre la portière, il y a vélo. Ouais, c'est pas ça. Non, bah non.
Elle est cocu. Elle est cocu. Elle est cocu. Il aurait gueulé ça à mon mariage, tu vois, je descendais. Le pire, c'est qu'on était dans... En plus, il faisait beau, donc tout le monde avait les fenêtres ouvertes. En plus. Bah oui. Je sais pas si vous avez regardé le vlog d'hier, mais du coup, on était dans un cortège de mariage, mais en plein milieu, nous. On était la seule bagnole pas immatriculée 69. Et Vincent, du coup, il klaxonnait, je disais klaxonne. Du coup, on s'était mis dans l'ambiance. Sauf qu'à un moment, bah, Vincent ouvre la fenêtre et gueule. Elle est cocu. On le sait, elle est cocu. Je vous jure, bref, du coup, on vous fera voir ce bon repas à midi. On passe du coq à l'âne, putain, mais je te jure. Ah putain, j'en étais sûre. De quoi? Regarde la boulangerie. Oh là là! J'en étais sûre. Je te jure, en arrivant là, je me suis dit, bah elle va être fermée, tu vois. La boulangerie est fermée. Bah voilà. Elle est à la campagne. Il y en a pas d'autres? Si. On fait un peu plus de route. Bah comme tu veux. Bah, il fait là. Il est 11h. Oh, c'est vrai, on n'est pas pressé de revenir. Hein. Non mais j'allais te dire, les frites c'est fait assez rapidement. La pierrade, on fait cuire chacun sa viande. Voilà, on a juste les fraises à préparer. Oui. Je fais très blanche là surtout. Oui, mais oui, mais je te jure, en vrai on ferait pas, bon, on fait pas blanche comme ça. Ah ouais? Oui, moi aussi je me fais ça. Je... Ça me fait ça. Ça me fait ça, ça. Bref, écoutez, bonne fritasse, moi j'ai hâte. Franchement, ça fait, mais je pense. Depuis l'été dernier que j'en ai pas mangé des bonnes frites bien grasses comme ça. Parce que la dernière fois c'était nos potes Ben et Manon qui en avaient fait, ils ont une friteuse aussi qui font dehors et tout. Parce que moi j'en fais pas parce que j'aime pas que ça pue chez moi, mais comme elle me dit, mais fais les dehors. Ah bah oui. Non plus j'aime pas que ça pue chez moi. Parce que ça pue. Hein ça, ouais. ça blaire. Ah bah oui. Mais par contre c'est la vie. Après, après une fois de temps en temps avec modération, hein, ouais, parce que là ah tu bah prends oui. 15 kilos par fesse. Ah bah. Mais là franchement avec la pirade et tout. Et bonne fraise en dessert, petite fraise. Parce que c'est-à-dire que hier, c'est limite, on a touché 3 fraises avec nos enfants. Je te jure, elles les ont des gommes. Hein. Mais j'avais pris 2 barquettes comme ça. Hein. Elles sont moi cher, c'est hein. Des. Pinaise. Il vaut mieux les avoir en photo. Hein. La dernière fois, moi, elle m'avait. Je rentre le soir, je dis Vincent, elles sont où les fraises? Ah bah. Oui. Et puis, t'as vu Aria avec. Romy avec. Cali avec la pastèque? Ah bah oui. La pastèque, elle te la dégomme. Alors la pastèque, j'ai acheté la pastèque. La pastèque. Pour ne pas avoir avec le prix au kilo, 11 balles la pastèque. Ouais, ah, pinaise. Et pourtant, c'est que de l'eau là-dedans. Parce que c'est la peau qui coûte cher. Franchement, quand j'ai. Oh, la paix, je vois 11 balles. Je dis, putain, j'espère qu'elle est bonne. Parce qu'en plus, t'achètes. Après, elle était très bonne. Oui, elle est très bonne. Mais t'achètes une pastèque qui est pas bonne, t'imagines, à 11 balles? Mais tu vois, je me rappelle plus les prix l'année dernière. Parce qu'avec l'inflation, tu crois que ça a augmenté ça? Non, mais en fait, à grand frais, tu te fais avoir. Parce que t'as le poids au kilo. Moi d'habitude je les achète à Inter quand elles sont bien, là pour le moment elles sont trop petites. Et quand elles sont bien, et tu la payes peut-être 3 euros. Ouais. Mais 3 ça, euros ça la pastèque. Oui, ça va, 11, ça. Là au kilo ça vaut pas le coup. Ouais j'avoue. Bon, ah, elle s'est fait U. Elle s'est fait U. Ah, mais bah, bon après elle était très bonne, on a bien savouré, on a même mangé les pépins. Hein. Là tu laisses. Mais pas, c'est sans pépins, connasse. Bah oui, les pépins ils sont noirs, là c'est des blancs donc tu peux les manger. Ah, ouais. C'était pour ça le prix au kilo aussi. Parce qu'il n'y a pas de pépins. Bon, on vous laisse là. Il pleut. On va... Oh putain, ça veut dire que tous les enfants vont rentrer là. Ouais. Non, parce qu'ils sont dehors, ils sont en train de profiter dehors. Donc, mais bon, mais cet après-midi, du coup, on va voir ce qu'on fait. Bah, ça va être sieste déjà des gamines. Déjà, c'est obligation. Ah, parce que sinon, là, on va faire des enfants exécrables et des parents exécrables après. Non, mais ce soir, elles vont pas être bien au bowling. Oui, parce que ce soir. Attendez, je monte parce que je filme le sein depuis tout à l'heure. Ce soir, c'est bowling. Ils nous emmènent dans leur fameux bowling avec la planche et tout, j'ai trop hâte. La planche de charcut, la petite bouffala. Voilà, mais ça, c'est la life. De coup, on va se régaler. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Une petite partie de bowling, ça va être très bien. Oui, ça va être très bien. Et puis, pas trop leur en faire non plus. Parce que faut-il qu'elles soient mignonnes, comme je dis. Parce que quand elles sont en train de se plumer, quoi qu'elles sont mignonnes. Non, mais franchement, ça va. Elles sont mignonnes, c'est des enfants, c'est des enfants. Mais bon. Là, vous voyez, quand il fait un temps comme ça et qu'elles se sont levées quand même depuis 6h30, 7h15, je vous laisse imaginer. Donc, tranquille. Déjà sieste et on avise. On avise. Comme j'ai dit à bébé, si vraiment c'est pas gérable, on les emmène au truc de pirate là. S'il faut. Et on les pirates, c'est à l'extérieur, elles vont être trempées. Ah, mais c'est à l'extérieur. Mais oui. Ah, parce que moi je pensais comme au Kizou, le truc qu'on avait chez nous là, tu sais. En fait, nous on a un Max Aventure. Voilà, ça, les trucs comme ça. Mais là, avec ce temps là, c'est mort. C'est mort, il va avoir tous les parents dedans. C'est quoi, je préfère qu'on sorte un jeu de société ou jeu, activité. Grave. Non mais même, on fait un Just Dance, on va se dépenser un peu là après les frites. Hop, et voilà. Ah, non, j'ai Max Aventure avec ce temps, j'ai pas regardé les commentaires si on a fait rire, mais je pense qu'à mon avis on a fait rire, je pense. C'était rigolo, on en a sué, hein. Franchement je suis cardio. Bon allez, et on dit qu'on parlait pas 10 minutes. Ah non, en même temps ma boulangerie était fermée. Elle aussi, c'est ça, c'est pour ça aussi. Ouais. Je monte les bonnes fritasses. De la petite bombasse qui est à côté de moi. À se régaler. Allez, petit apéro du coup.
On a sorti un petit peu de charcutes et bébé elle est en train de nous faire un bon petit repas. Et j'avais emmené ça là, j'avais jamais goûté et c'est vraiment pas mauvais. C'est des espèces de gros curly, miel, miel salé. C'est vraiment pas mauvais. Petit café by Renaud. Il y a deux yeux, il bouge. Il y a plus deux yeux. Franchement, il est méga bon. Il m'en a fait un hier. Et là, j'en ai un peu besoin. Ça va, j'ai quand même plutôt bien dormi. Mais je vais vous raconter l'épisode sieste. Allez, c'est l'heure du goûter. Du coup, on a pris juste deux, trois petites choses. Vraiment, histoire, light. Histoire de grignoter. Mais il y a quand même les fraises. Elfie. Avec la chantilly, bien évidemment. Mais ça a l'air pas mal. Alors ça, c'est Renaud apparemment qui aime bien ça. J'ai pas retenu le nom. C'était quoi, bébé? C'est un succès. C'est toujours en avec un petit, une petite feuille d'or, s'il vous plaît. Ça, c'est à la mangue. Bon, après les mille feuilles, des éclairs au chocolat, on en a pris quatre. Bon, voilà. Et du coup, petit truc à la framboise. Et moi, ce petit macaron, il me parlait bien aussi. Donc voilà, miam, miam. Bon, on est en route, on va au bowling. À la base, on voulait s'arrêter au bowling ce soir pour manger et tout, mais bébé, elle a eu une illumination. Elle s'est dit, attends, mais le problème, c'est que si on y va vers 7h30, 8h, à quelle heure ils ferment? Et le bowling où ils vont, en fait, qui font des espèces de grosses planches avec des burrata et tout, ça ferme à 20h. Donc du coup, on va dans un autre, si j'ai bien compris. Ou alors on va à celui-là et on s'est dit qu'on ne mangerait pas. Parce qu'en fait, là, on vient de faire un gros goûter. Vous avez dû voir, du coup... On s'est arrêté ce matin avec Bérangère, j'ai acheté des petites pâtisseries et tout pour le 4h. Et du coup, voilà, on n'a pas faim et j'ai dit à bébé, franchement, honnêtement, est-ce qu'on va avoir faim au bowling à 8h? Je suis même pas sûre. Donc avec Bérangère, on s'est dit, écoute, c'est quoi, bonne franquette. Si les enfants, ils ont faim quand on rentre tout à l'heure, on fera petite pâte ou on trouvera bien quelque chose à faire dans les placards. Et voilà, nous pour le moment, enfin c'est ce que j'ai dit, moi j'ai pas du tout faim, Bérangère et Renaud et Vincent c'est pareil, personne n'a faim, donc on s'est dit honnêtement aller au bowling et choisir le bowling pour l'histoire de la planche, on s'en fiche au final, donc voilà. Même si j'aurais tellement voulu goûter leur grosse burrata, parce qu'à chaque fois je regarde leur vlog et qu'ils vont dans ce bowling et je vois cette plante à charcutes avec la burrata et tout, oh, moi je suis tellement une dingue de la burrata en plus, c'est pas grave, le principal c'est qu'on soit ensemble et qu'on passe un bowling. Un bowling. Et à la base, bowling qui n'était pas du tout gagné parce que la séance était laborieux. Elles n'ont pas voulu dormir les quatre. Raphaël a dormi à peine 40 minutes parce que bah, les petites ne voulaient pas dormir. Donc elles sont rentrées dans la chambre en mode oui, on veut plus dormir. Enfin bref. Mais moi j'étais en PLS. Je chantais que j'étais fatiguée. Puis on avait fait un gros repas à midi. Donc je chantais que j'étais là en mode digestion, faut que je dorme. Du coup je me suis mis dans le lit et je m'étais mis à réveil parce que moi je sais que quand je fais rarement des siestes, si vous me suivez depuis un petit moment, je fais rarement des siestes, mais à chaque fois que je fais une sieste par contre je pars. Je pars, je me réveille pas quoi. Donc j'avais mis un réveil et j'ai dormi plus d'une heure et demie quand même. Je me suis réveillée à 4h, Bérangère était en train de faire son batch cooking. Et là dans ma tête j'ai regardé Vincent, je me suis dit oh j'ai rien fait du tout moi pour cette semaine. Mais demain, je pense d'ailleurs, on en a pas parlé mon mec, mais je pense que ça serait judicieux qu'on parte après manger. Pourquoi? Digestion et sieste. Et chien. Voilà, on n'a pas trop le choix parce qu'en fait ma soeur aussi, c'est ma soeur qui garde les toutous et qui garde les animaux ce week-end. Et elle part le matin tôt, je crois. C'est ça? Demain matin, elle part tôt. Ah voilà, non, c'est l'inverse, c'est que ce soir elle part. Et du coup, demain matin, bah il n'y a pas. Enfin, mais si, je crois qu'elle part ce matin. Ce soir, elle revient demain matin. Ah oui, voilà, elle part ce soir et elle revient demain matin, les sortir dans la matinée. Mais bon, ils sont tout seuls et bon. C'est. Voilà, moi on n'aime pas trop les laisser trop longtemps seuls, pas qu'ils fassent des bêtises, mais voilà, c'est nos animaux, hein, donc voilà. Ça fait partie du deal quand vous avez des chiens et des chats, faut y penser. Même si les chats, ça fait honnêtement leur life, bah nos toutous, non quoi. Donc voilà. Et puis j'ai dit à Vincent, on va rentrer pas tard pour décharger non plus pas trop tard. Et puis pour aussi que je me mette aussi un petit peu à faire mon batch cooking parce que cette semaine je suis du soir, je fais trois soirs. Et nous les soirs à la maison c'est. Hein, voilà, Vincent est seul avec les trois enfants. Et en plus de ça, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit, mais la semaine dernière du coup j'ai pas fait batch cooking parce qu'il y avait mon concours, etc. Enfin on sait pas. On s'est mal organisé, on peut le dire, des fois ça arrive aussi. Les moments parfaits n'existent pas, on n'a pas été trop organisé au niveau de la nourriture mon mec. Et du coup même Vincent m'a avoué, mon batch cooking, c'est quand même la life. Hein,
quand on anticipe, ça va quand même beaucoup plus vite et tout. Donc demain, voilà, on va essayer d'en faire un petit peu, pas rentrer trop tard, checker les devoirs, parce que c'est pareil, on n'a pas checké. Ah voilà, moi j'ai pas checké les devoirs, donc Vincent vient de me dire que c'était fait avant de partir, donc c'est bon. Mais voilà, refaire un peu tout et puis voilà. Les meilleures choses ont toujours une fin. J'ai l'impression que je pars demain. Enfin, on part demain, mais j'ai l'impression que je pars dans une heure, tellement que c'est passé tellement vite ce week-end. On s'y kiffe, ça passe trop vite. Enfin, quand on est avec des gens qu'on kiffe, ça passe toujours trop vite. Mais voilà, je pense qu'on fera ça. Parce qu'au début, on voulait partir vers 4-5 heures, mais je me suis dit, tant qu'on rentre, qu'il y a les bains, machin, pas judicieux. Donc je pense qu'on fera ça à midi, et aussi pour que ça dorme. Parce que moi, vu qu'elle dort pas en voiture, hein, voilà, j'espère que ça dort un petit peu. Il y a du monde, c'est quoi? C'est périph', c'est quoi où on est? Donc voilà, c'était le blablatage, l'instant blabla. Voilà, mais par contre, la sieste m'a vraiment fait du bien et heureusement, de toute façon, je le sentais. Là, j'avais trop besoin de dormir, j'étais fatiguée et peut-être que je relâche un peu, c'est la pression de cette semaine. Puis Bérangère, on dirait. Pff, de toute façon, on n'est pas jumelles pour rien, mais on dirait moi. Quand elle est à la maison, je veux pas qu'elle bouge du canapé, je veux qu'elle soit en mode relax. Ah, excuse-moi, j'ai eu peur, je me suis dit, je suis en train de faire une bêtise. Attendez, je vous mets comme ça. Alors, une petite prise de dessus pour changer, crotte de nez, voilà. Non, je vous dis. Ouh! Salut vous! Comment ça va la case aussi? Et oui, donc du coup, je vous disais. Du coup, elle me ménage chez elle. Je suis son invitée, donc elle me ménage. Alors, j'essaye de. Dès que je peux, j'essaye de faire quelque chose, mais elle me reprend. Et voilà, bref. Désolée, je filme un peu comme ça parce qu'il y a le rétro. Et quand je me mets comme ça, Vincent ne voit pas le rétro. Donc voilà, écoutez. Ça me fait du bien ce week-end. Enfin, moi, ça me fait du bien. Toi aussi, mon mec, ça fait du bien un petit peu de partir de la maison et tout. Donc, petit radar. Bonjour, radar. Bonjour. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire voir un petit peu donc, ce bowling parce que je crois qu'on va quand même dans le bowling où ils vont. Il me semble. Hein. Je suis pas sûre. On verra bien. On verra bien. Tu les vois plus? Allez, 1, 2, c'est moche. Là, verdict. Et moi, je suis combien? Troisième. Ah. Ah. Je suis belle, hein? Non, non. Belle. Arrière est devant toi. J'ai gagné un blazer vert. Bérangère, elle a oublié son blazer. Va-t-elle le remarquer? T'es été sèche, bébé? Ouais, on dit que j'ai fait ça. Ouais. Allez, on rentre. Oui, c'était du sport. En fait, il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis bon, faut dire quand même qu'il y avait quand même 5 enfants, finalement, qui en faisaient. Raph, du coup, c'était l'heure de manger, etc. On s'est bien débrouillé, mais 6 enfants, mais bon, Raph, on faisait pas du. Mais fallait gérer les enfants et tout, mais après, on a passé un bon moment, mais c'est vrai que c'est du sport avec les enfants. Et des fois, on se regarde, les 4, on fait. On ferait bien un truc tous les 4 quand même. Hein, on les aime nos enfants, hein, je vous jure, mais des fois, c'est ce que je disais, on est tellement tout le temps en train de vouloir leur faire profiter de plein de choses qu'au final, des fois, on se regarde et on se dit, on leur en donne trop à ces enfants, je vous jure. Je vous jure, mais bon. C'était chouette, du coup, là, on rentre. Objectif directos muchachos, bain à Raphaël. Parce que Raph, là, il est en mode. Hein, voilà. Donc, bain. Et dodo, parce qu'il a déjà pris son bibi là-bas, on a eu emmené ce qu'il fallait, donc voilà. Et puis après, on enchaînera avec les enfants. Et puis ça va pas l'oublier bien tard, étant donné la sieste. Et puis non, mais après, étant donné la sieste, mais elles ont dormi quand même. Ah, parce que c'est ça le pire. C'est qu'elles ont pas voulu dormir, donc elles ont fait le foin. Et vers 3h, 3h30, elles étaient tellement fatiguées que Bérangère, elle a dit allez, stop, elle a dit aux siennes, vous montez. Et deux notes sont restées en bas et elles se sont endormies sur le canapé. Donc, voilà, il y a eu une micro-sieste, mais. Pas en temps et en heure, et c'est ce qu'on disait, c'est dommage. Oui, elle a dormi dans la nuit sur le canapé. Mais c'est dommage parce que du coup, elles auraient dormi en temps et en heure quand il le fallait. On aurait fait
le bullying peut-être un peu plus tôt, où on aurait fait des activités plus tôt. C'est ouf de pas réussir à leur faire comprendre que c'est bénéfique pour eux quand même. Hein, on était sûrement pareil nous étant jeunes. Alors que nous, là, jeunes adultes, on aimerait bien faire la sieste plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors là. Allez, on va manger. Du coup, bébé, elle a préparé un peu de purée, du poulet au champ pépé. Et là, on a un boba cooking. Oh non, mais franchement, cette viande à midi était majestueuse. C'était trop, trop bon. Bref, voilà pour tout ça. On vient juste de coucher les enfants. J'ai fini de lire l'histoire. On va faire le nez à Raphaël parce qu'il a le nez comme ça. Le pauvre, ça le réveille toutes les heures depuis qu'on l'a couché. Donc, je vais refaire son nez. Il est 10h30, donc je pense que c'est sage. Si je vous clôture le vlog tout de suite, je vais exporter les rushs pendant que je finis de m'occuper de Raphaël. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette journée avec nous vous aura plu. Et je vous dis à demain. Bisous, mon rôle de maman m'attend. Ça, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? 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 Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi.